Alright tout le monde, je suis Justiner et on se retrouve sur la suite de Star Wars Jedi Survivor. Donc avant de commencer, j'aimerais remercier tous ceux et celles qui prennent le temps de liker et qui s'abonnent également, ça m'aide beaucoup et j'apprécie énormément, donc un grand merci à vous. Et puis nous, on continue ça. On va rouvrir la porte. Je trouve ça inutile de faire ça à chaque fois en fait. Bon, à qui dois-je parler? Maître Cordova. Dagan Gera avait le dernier compas, mais il est... endommagé. On peut pas dire qu'il l'ait donné de bon cœur. Ceci est réparable. Je m'y mets tout de suite. BD. Laissons Maître Cordova se concentrer. Je connais un endroit sympa. Bien. Bien sûr, ce Grise. Serait gentil. Ah, merci. Ah, ah, vraiment marrant. Bon, c'est parti. Deuxième tournée. Alors, c'est comment? C'est fort. C'est très sucré. Tu finiras par t'habituer. Dites, serré. Venez avec nous sur Tanalor. C'est le refuge idéal pour les archives et le passage. Je ne sais pas ce que le futur nous réserve. Mais on peut l'affronter ensemble. Oui. C'est une nouvelle voie pour nous tous. Cal. Maître Tapal serait fier du Jedi que tu es devenu. J'ai eu un bon maître. Écoutez-moi. Le passage a trouvé un nouveau foyer. À Tanalor. Ah, à Tanalor. Attends une minute, chérie. Ça veut dire que tu viens avec nous? Oui, Gris. Je vais même commencer à préparer les archives pour leur transport. Il se fait tard, je vais t'accompagner. Dites donc, vous savez où il est, le Mantis? Cet endroit est terrifiant la nuit. Je vais venir avec toi. Oh, super. Mais... pas de tour flippant, hein, d'accord? Et serré, les anachorètes viennent vraiment avec nous? Bien sûr, oui. Oh, la famille s'agrandit de toute une bande d'oncles et de tantes flippants. On a réussi. Ouais. Le compas sera bientôt comme neuf. On dirait que t'as la tête ailleurs. Tu me connais trop bien, Ferrailleur. Je pensais à Kata, c'est tout. Je sais qu'on s'occupe bien d'elle, mais... c'est toujours compliqué quand je reviens. Quand elle verra ce que t'as fait pour elle, elle comprendra. Ouais, j'espère. Je me dis qu'on devrait peut-être aller d'abord sur Tanalor, histoire d'être sûr que c'est sans danger pour les autres. Plus vite le passage s'installera là-bas, mieux ce sera. Il faut toujours avoir un coup d'avance sur l'Empire. Ouais. Hé. Demain, on aura un nouveau foyer. J'y serais jamais arrivé sans toi, Baud. Merci, mon frère. Ouais. Et il faut que j'aille enregistrer une histoire pour Kata. Passez une bonne nuit. Tu l'as mérité.
Je l'ai vu, hein. La nuit, le désert s'étend à l'infini. Il y a de la beauté dans le vide. Tu parles comme une Jedi. Il pouvait pas se tromper sur tout. Non, pas tout. Écoute... L'ordre n'est plus. Je dois tourner la page. Et... Je sais ce que je veux maintenant. T'en as mis du temps. Check bien ça, la grosse merde qui va arriver. Là, il y a trop d'affaires qui est comme heureux, là. Ça marche pas. Un Jedi, c'est pas supposé, me semble, pas le droit d'avoir de femme ou de quoi du genre, pas le droit d'être amoureux, quelque chose du genre. Parce que, me semble, là, je suis pas vraiment un fan extrêmement fini de Star Wars, honnêtement, là. Mais j'ai vu des films, puis dans celui-là, le 3, avec Anakin puis Obi-Wan, là. Anakin, il tombe amoureux de Padmé, mais il me semble qu'ils ont pas le droit. Parce que l'amour entraîne des fois la vengeance ou la colère. Je m'en souviens plus. Je peux me tromper, mais il me semble que c'est ça. Bon, on va où, là? On doit seulement retourner... aux archives. Ça avance. Voyez par vous-même. Maître Cordova, vous avez réussi. Les impériaux arrivent de tous les côtés. Ils nous ont trouvés. Évacuez les vôtres. Je vais nous faire gagner du temps. Je pouvais pas faire autrement, Cal. Mais... Mon enfant... Vous n'aviez pas à faire ça. Non ! Cordova, il est mort. Boda le compare, rattrape-le. Allez. Oh, le trou de cul. Boda. Puis il se permet de nous appeler frère. Bien sûr que c'est notre meilleur chum. J'étais sûr qu'elle allait avoir un trait, mais je pensais pas à lui. J'aurais peut-être pensé à Cordova, justement. D'où ça sort, ça? Oh merde! Il utilise la force, je sais pas moi. Ces marcheurs se dirigent vers les archives.
Ah merde. Mais il y a plein d'impériaux. Il essaie de s'enfuir. Ensemble. Tout ça pour que tu le donnes à l'Empire maintenant? Non, je ne le donnerai pas à l'Empire. Tu as tué Maître Cordova! Cal, tu n'as pas le temps pour ce combat. Quelque chose d'horrible va arriver aux archives. Écoute ton instinct. Tu sais que j'ai raison. Qu'est-ce que t'as fait? Si tu veux mettre ta famille à l'abri, fais-les sortir de là. Maintenant. Qu'est-ce que t'as fait? C'est impossible. Tu n'es pas le seul à avoir survécu. Oh wow! On la contrôle. Retenez-les. Il ne faut pas qu'ils pénètrent dans les archives. Oui, Maître Junda. Protégeons notre foyer. Défendez les archives. Les grappes. Cal, y a pas des combos de même, mais elle est forte. Ah, t'es sérieux là?
faites distraction pour laisser aux autres le temps d'évacuer les lieux. Salaud. Meryn, tu vas bien? Oui, mais l'Empire attaque l'entrée principale. Il faut que je me concentre. Ok, elle peut juste se reposer, elle. Wow. Je connais un raccourci. Recule. Nous devons tenir le hangar jusqu'à ce que tout le monde ait été évacué. Pourquoi est-ce que les défenses de la base ne sont pas actives? Quelque chose ne va pas. Combattons ensemble. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Une perte de temps. Est-ce que tu as vu Cal? Non. Mais BD était avec le Mantis. Ils évacuent un maximum de gens. Là-bas, des marcheurs! Il ne faut pas qu'ils franchissent l'entrée principale. Ah, c'est cool cette botte là. Il faut arrêter les marcheurs. Des thermiques. Encore des droit devant. Mais attention. Elle est forte, man. Il y a d'autres munitions au niveau de la rivière. Très bien, on va en avoir besoin. Je pensais qu'il fallait que je monte. Ben là, c'est buggé, là. Je suis pogné ici. Là. Ok, c'est ici. Désolé, je pensais qu'il fallait que je monte. Meryn, tu peux... Bien sûr.
sauter en bas? Ouais. Tellement de morts. Il y en aura encore plus, si nous ne protégeons pas le hangar. Cordova. Il aurait voulu qu'on sauve tout ce qu'on peut des archives. Et les codes de contact. Ils ne doivent jamais tomber entre les mains de l'Empire. Jamais. Des impériaux. Ils ouvrent la porte. Alors, on les arrêtera. Par ici? Descends au hangar. Par ici? Bien joué. Toi aussi. Grise, tu me reçois? Thierry, quelle bonne surprise. Reste sur le Mantis, jusqu'à ce que nous ayons sécurisé le hangar. Bien réussi. Bonne chance à toi. Sans enfoncer la porte. Repoussez-les. Ah ouais, fais ton... Ah, je peux pas. Tu vas t'aider. Elle est forte. On continue de se battre. Je mourrai ici s'il le faut. Il y en arrive d'autres. Je vais le retenir. Je suis prêt. Versus mécanique. Ouais, ben fatigué en tout cas, Alice. Ils sont trop nombreux. Garde espoir. On va les arrêter. Oh my god. Ils sont là. Je peux les retenir. Concentrez-vous. On détruit le hangar. Ça suffit. Ah, si vous saviez comme je suis content de vous voir. Merci pour ton aide. Des nouvelles de Cal? Rien pour le moment. Je suis sûr qu'il va bien. Il a dû désactiver son communicateur. Serré, c'est quoi le plan? On s'échappe avant que le gros de leur force arrive. Puis on se retrouve au point de rendez-vous. Mais d'abord, je dois retourner aux archives. Les codes de contact du passage. Je viens avec vous. Non. J'ai besoin que tu restes ici pour protéger le Mantis. BD, va avec elle. Laisse tourner le moteur, Chris. Ce ne sera pas lent. Hé, Serré. Reviens vite. Je crois en toi. Merci, Chris.
On va où? Ici, ok. Non, je peux rien faire. Ok, attends, on va aller voir ce qu'on s'en va. Non, j'ai pas de map, la map est bloquée. Ah, ça doit être par là. Ok, y a pas d'ascenseur là non plus. On va où? Ici? Non, peut-être ici. Ouais, c'est ça, aux archives. J'espère que Cal va bien, mais il faut se dépêcher. On a encore le temps d'évacuer les derniers anachorètes et de sauver ce qu'on peut des archives. BD1, rapporte ça au Mantis. On se retrouve au point de rendez-vous. Vas-y. Maintenant. Ça faisait bien longtemps. J'espérais que tu t'étais noyé sur Nour après qu'on a fait exploser ta base sous-marine. Il est naïf de penser que tes actions ont eu une quelconque conséquence. La forteresse est toujours là. L'Inquisitorius continue son œuvre. Et je suis venu pour toi. Oh my god. Elle va mourir là, c'est sûr. Je t'attendais. Oh, c'est épique. Ça, c'est hot. Darth Vader. Pareil, hein? Tu as rassemblé les vestiges de la tradition de Jedi. Non. J'ai seulement cessé d'avoir peur. Quelle naïveté.
ils l'ont mis vraiment badass. Maudit qui est badass. Gassant avec ça. Tu t'en es occupé? Ouais. C'est bon. On trouvera un bon endroit pour les enterrer. Les autres Anachorètes se sont dispersés. L'Empire les poursuit, mais ils peuvent revenir à tout moment. Serré a réussi à gagner assez de temps pour que BD1 nous envoie les codes de contact du passage. Mais c'est tout ce qui reste de ces archives. On a failli avoir une deuxième chance. On s'est fait complètement avoir.
Explique-moi. Comment Baud pouvait être à la fois un Jedi et un espion impérial? Ce n'est pas un Jedi. On ne l'a pas ressenti. Il nous a tous trompés. Non, j'aurais au moins dû réussir à... Maintenant, ça suffit! Cal. Ça suffit, ok? Ce que Baud a fait, c'est sa faute. C'est pas la tienne. Ni celle de personne d'autre. C'est la sienne. C'est tout. On sait que les dés sont pipés. Mais c'est nous qui décidons comment on joue. C'est dommage que sa tête ne soit pas mise à prix. On aurait pu le suivre avec un tracker de la guilde. La balise de repérage. C'est comme ça qu'il nous a trouvés sur Kobo. Elle est peut-être toujours active. C'est ce qu'on va voir. Ah, rien. C'est pas vrai! Cal. Le signal. On le capte à peine. Ça donne quoi à BD? Le système Novagaron. Hé, une minute. Pourquoi Bond ferait un détour? Il a une fille. C'est peut-être là qu'elle habite. On pourrait l'attraper là-bas. Mais ça ressemble à un piège. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que t'en dis? On prend le risque? Je crois qu'on n'a pas trop le choix. Pour serrer. Et mettre Cordova. Je vais camoufler notre approche. Ok. Asseyez-vous tous les deux. C'est moi qui prends les commandes. Pour serrer. Wow. Oh man, le boss avec Dark Vader, là, c'était tellement écœurant. Ça, c'est fou, man. Honnêtement, là, ça, c'était vraiment cool. Wow. Ah, Dark Vader, man. Ça, c'est hot, l'apparition. Ça, pour elle, c'était un maudit beau moment. La soundtrack, tout, là, c'était vraiment cool, ça. Comme boss fight, là, ce niveau-là était vraiment nice, man. On dirait qu'il manquait des moments épiques dans ce jeu-là. Lui, il garoche tout ça à la fin. C'est vraiment cool de voir Dark Vader. Ça, c'est cool qu'il te donne ça, le jeu. Sont comme, t'es man, Dark Vader, ST, let's go, man, c'est un des vilains les plus hot, man, je trouve, pareil. Je suis pas un fan de Star Wars, mais c'est un des vilains que j'apprécie le plus, man, parce que sa backstory est vraiment triste, là. Vraiment cool. Alright, hey, nous autres, on se cesse là-dessus. Court épisode comparé les autres, mais c'est pas grave. On va se cesse là-dessus. Prochain épisode, nous autres, on va se retrouver, on va l'attraper, Baud. Donc, c'est ça, man. Hey, un grand merci à ceux qui ont pris le temps de regarder, un grand merci à ceux et celles qui prennent le temps de liker, qui s'abonnent également, ça m'aide beaucoup, et j'apprécie énormément, donc un grand merci à vous. Et puis nous, on se retrouve pour la suite, donc reste à l'écoute, à la prochaine. Ciao.